célèbre, c'est soir à mi-fois. Roi, moi je te loue, je t'adore, je te célèbre. Bonjour et bienvenue à votre émission B Religion, qui est une émission religieuse qui vous parle de la religion dans tous les aspects. Aujourd'hui, nous avons invité pour vous un homme de Dieu qui va se présenter lui-même et nous allons directement lui dire bonjour. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour. Comment allez-vous? On va très très bien. On va très très bien. Vous pouvez vous présenter à tous ceux qui vous suivent en ce moment? Voilà, nous sommes serviteurs de Jésus. Notre nom c'est Filio Lumingu et nous sommes visionnaires de la mission auprès des familles. La mission auprès de familles, MIFA en sigle comme vous l'appelez. Exactement. Ça veut dire quoi? MIFA en sigle comme je l'ai dit tantôt, ça veut dire mission auprès des familles. Et la mission auprès des familles est une vision que le Seigneur nous a donnée, qui a pour objectif ou pour vision de gagner les nations, de toucher les nations, d'amener les nations au modèle de Jésus, mais par le biais des familles. Donc en touchant les familles, nous touchons les nations. C'est quoi la mission de MIFA? Comme je le dis tout à l'heure, la mission de MIFA, c'est donner, bâtir des nations au modèle de Jésus-Christ, mais en passant par celle des familles. Donc nous touchons les familles, nous touchons les nations. Pourquoi voulez-vous être auprès des familles? Auprès de familles, ça c'est une très belle et très bonne question. Parce que, en fait, la famille étant l'unité de base de toute chose, la famille étant l'unité de base de l'Église, l'unité de base d'une nation, l'unité de base de tout ce que nous pouvons avoir, alors si nous travaillons bien pour les familles, si nous donnons un bon modèle à partir des familles, nous donnerons un meilleur modèle dans la société. Donc, c'est parce que la famille, en fait, vient avant toute chose. Ainsi, la Bible dit, lorsque la prémisse est sainte, la masse l'est aussi. Si la famille qui est le commencement de tout ce qui existe, alors c'est que tout ce qui existe sera saint si nos familles sont saintes. Et après les familles, vous visez aussi d'autres secteurs? Comme je dis, on vise la nation. Uh-huh. On vise toucher les nations, mais par les familles. Évidemment, quand nous toucherons les nations, quand nous touchons les nations par les familles, ça veut dire que nous toucherons, nous visons toucher le côté... le côté politique, sans faire activement la politique, bien sûr. Toucher le côté économique en créant des emplois, des possibilités de donner à des pères responsables des familles de quoi prendre soin de leur famille. Et vous priez dans une église, bien sûr? Oui, tout à fait. Je suis serviteur de Dieu à l'église Logos Rema. Oui. Là où je suis ancien. Oui. Ancien à Logos Rema. À Logos Rema, on vous permet de faire les ministères? Oui, bien sûr, bien sûr. Si je le fais, légalement, c'est qu'on me le permet. Si je Puisque le fais, c'est qu'on dans me d'autres le églises, il y a de ces ouvriers qui font des ministères à côté, mais l'église ne sait pas qu'ils font des ministères et après, c'est la rébellion. Qu'en dites-vous? Honnêtement, je ne connais pas très bien comment fonctionnent les autres églises, je ne peux pas parler à leur place. Mm-hmm. Mais je crois que chaque pasteur, chaque homme de Dieu, chaque communauté a sa vision, a sa manière de faire les choses. Donc, ils ont leur manière de faire. À Logos Rema, on a notre manière de faire. Alors, avec Logos Rema, on m'a autorisé de le faire. Mm-hmm. Et quant à ceux qui est de la rébellion, je ne suis pas pour cela. Je crois qu'il faut harmoniser avec son père dans la foi. Je crois qu'il faut harmoniser avec sa communauté. Uh-huh. Mais je ne suis pas pour la rébellion. Et que pouvez-vous dire à tous ces jeunes qui font cela, qui se rebellent, commencent par des ministères et après se rebellent? Je leur dirais d'entendre le Seigneur. D'entendre le Seigneur dans les Écritures. Il faut savoir écouter Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Quand on écoute Dieu, on sait ce qu'il faut faire au bon moment. Et même quand il peut y avoir des problèmes, la voix de Dieu apaise nos cœurs afin de nous permettre de marcher sur les bonnes voies. Où est-ce que vous avez eu cette initiative de faire la MIFA? Ça c'est une très longue histoire. Mmh. Une très très longue histoire. Elle date depuis 2011. Oui. 2011.
Pour la petite histoire, déjà la pensée même d'un ministère ou d'une action autour des familles date de 2001. Mm-hmm. En 2001, nous étions dans une très grande retraite que nous appelons RELAC au ministère chrétien Logos Rema. C'est la retraite des jeunes. Oui. D'ailleurs même, j'annonce que bientôt, fin juillet, début août, il y aura cette retraite et nous inviterons tout le monde y participer. C'est très merveilleux. Et à cette retraite, j'ai reçu l'appel de Dieu pour commencer un travail au niveau des familles. C'était purement restreint. Et la personne qui m'a donné ce message-là était une amie qui s'appelait Sarah Kalesh. Une amie. Je cite son nom, je sais pourquoi. Des années ont passé, on est en 2004-2005, il y a un homme de Dieu, le prophète Armand Nicolas, revenant de la France, prophétise sur moi dans toute l'assemblée de la communauté Logos Rema à une célébration qu'on appelait Kotab. À l'époque, aujourd'hui c'est Celtab, il prophétise sur moi, il dit beaucoup de bonnes choses, ça c'est un grand serviteur de Dieu, je vois la gloire l'accompagner, et un tas de choses qui va en ce sens-là. Mais après, je n'avais toujours rien fait. Je continuais à servir Dieu et j'étais encore tout jeune. Hein? Oui, c'est ce que je veux. Je veux vraiment préciser que vous êtes encore jeune. Oui, à cette époque-là, vous étiez encore très jeune. Oui, j'étais très jeune. J'étais très jeune. Très jeune encore. Et en 2006, si je n'abuse, j'ai été établi ou consacré diacre à l'église Logos Rema. J'avais 21 ans, je précise, en 2006. Bon, pour ceux qui font les calculs, vous devinez mon âge. J'avais 21 ans. Et après, en 2011, c'est quand le Seigneur... Non, en 2010, on a eu une célébration des jeunes à Logos Rema où il y avait plusieurs orateurs, entre autres le pasteur Marcelo Tounassi, le prophète Joël Francis Tatou, et il y avait un des orateurs qui est un de mes amis qui s'appelle Olivier Pataoli, le pasteur Olivier Pataoli. Et cette convention des jeunes, le pasteur... l'homme de Dieu, à l'époque simple frère, qui aujourd'hui a commencé son église, que je salue d'ailleurs, il prophétise sur moi. Il me dit, homme de Dieu, Dieu me dit de te dire, si aujourd'hui tu ne commences pas ce que je t'avais dit de commencer, parce que chaque année Dieu me disait de faire une œuvre au niveau de ma famille, de prier avec ma famille, mais je ne le faisais pas parce que j'avais très peur, je ne savais pas par où commencer, je ne me sentais pas capable de le faire. Et il me dit, si tu ne commences pas, je mets fin à ta vie. Ça, c'était une super menace de la part du Seigneur. J'ai eu très peur. Et c'était une menace. Il a tonné sur moi très fort. C'était en 2010. Il s'appelle Olivier Pataoli. Et je crois en 2011 ou la même année, le frère Olivier Pataoli épouse la sœur Sarah Kalish qui a prophétisé sur moi en 2001. Wow. Les deux personnes se sont mariées en 2010 ou 2011. Mmh. Ils ont formé une famille. Non, les personnes qui ont prophétisé sur moi sous mon ministère auprès des familles aujourd'hui sont mariés, serviteurs de Dieu, pères de famille. Et c'est de là que vient votre motivation? Mais même pas. Je me suis encore endormi pendant, je crois, 2 années. Et en 2012, là, c'était le grand boom de la part du Seigneur. Je dormais dans ma chambre. Je dormais par terre à l'époque. Je dormais par terre, célibataire encore. Et subitement comme ça, je sens une main invisible qui entre dans ma poitrine ou dans mon cœur, cœur-poitrine, qui entre dans mon cœur et qui me pince le cœur très fortement. Vous voyez, quand on vous pince comme ça, je pouvais littéralement sentir que quelqu'un pinçait mon cœur. Oui. Pendant qu'il pinçait, je me suis réveillé, je commençais à crier, j'avais très mal et j'entends le Seigneur me dire, si tu ne décides pas aujourd'hui de commencer cette œuvre, je mets fin à ta vie. Et c'est comme ça que j'ai décidé. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas mourir. S'il te plaît, j'accepte aujourd'hui, je vais commencer. Il me dit, commence aujourd'hui. Il me donne même la date et comment est-ce que je vais commencer. Il me donne le jour. C'était un 28 janvier 2012, si je ne me trompe pas. C'était un vendredi, c'était en nuit de prière. Et il me dit, commence ce jour-là. Parce qu'il y a un groupe de prière qui va venir prier. Il devrait prier chez nous à la maison. Oui. Il m'a dit, commence avec eux, demande-leur de travailler avec toi, parle-leur de ta vision et commence avec eux. Le groupe All Our Life for Jesus. Voilà, Dieu m'a demandé de commencer avec eux, je les ai abordés, ils ont accepté qu'on travaille ensemble. Et puis il y a aussi des choses qui se sont passées ou telles que c'était pas moi qui devrais prêcher, mais l'orateur de ce jour a désisté curieusement et on m'a dit carrément de prêcher et c'est là que tout est parti. Tout est parti, il y a beaucoup de petits détails que j'ai sautés. Question d'être... C'est là que tout est parti. Voilà. Vous faites comment pour vous réunir? Vous avez quand même un siège là. Exactement. Où vous vous réunissez. Vous vous réunissez quand? Ça se passe comment?
En date d'aujourd'hui, ce qui est dit, quand nous avons démarré, nous nous réunissons une fois les mois. C'était le dernier vendredi du mois, c'était en nuit de prière. Là, c'était vraiment pas un groupe organisé, c'était juste comme un groupe de prière qui se réunissait et qui priait pour les familles. Une année ou deux ans après, on s'est converti, si je peux dire ça comme ça, en groupe organisé. Okay, on s'est converti en groupe organisé où nous avons donné le nom Mission auprès des familles, MIFA. Et là, nous avons quitté les nuits de prière pour les jours. Alors, on a commencé à travailler les derniers mardis du mois. Jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons les derniers mardis du mois, mais nous annonçons qu'un nouveau programme est en train de commencer. À partir du mois de juin, nous n'allons plus travailler les derniers mardis du mois, mais selon l'orientation du Seigneur, nous aurons une réunion hebdomadaire. C'est-à-dire, chaque semaine, on aura une rencontre des familles. Quel est votre message par rapport à votre vision auprès des familles? Voilà, nous, c'est la mission auprès des familles. MIFA, en cycle. La vision que nous portons de la part du Seigneur, je vais vraiment le paraphraser, c'est d'apporter le Dieu de l'unité, de l'amour et de la paix dans les familles. La puissance de l'Évangile ajoutée à celle du Saint-Esprit afin de bâtir des nations fortes à l'image de Jésus. Notre vision, c'est de produire les citoyens congolais de 2030. Notre message principal, c'est ramener le Dieu. J'aime comment nous définissons ça. Le Dieu de l'unité, de paix et d'amour dans les familles. C'est ça votre but principal? De ramener le Dieu de l'unité, de paix et d'amour. En fait, notre but, notre vision, notre objectif, notre motivation, oui, c'est de voir les familles unies. Parce qu'aujourd'hui, on peut sentir comment il y a beaucoup de divisions dans les familles. Évidemment, il faut reconnaître que l'évangile mal prêché en est pour beaucoup. Et nous, un des objectifs que Dieu nous a donné, c'est de restaurer le côté de l'unité, de la paix et de l'amour au sein des familles. Et c'est par Jésus que cela se fera. Et s'il faut inviter d'autres familles à venir participer à votre initiative, votre vision, comment est-ce qu'ils vont passer par vous? Déjà, pour nous rencontrer, c'est pas compliqué. Nous avons notre siège qui est à la commune de Kinshasa, l'actuel siège bien sûr, à la commune de Kinshasa, sur l'avenue Roi Kadingi au numéro 156. Donc, commune de Kinshasa, Roi Kadingi 156. Quand vous êtes sur Willery, il y a le Konfungo là, il y a la chaîne de télévisée Molière TV et puis il y a Formula One. Nous sommes là sur Roi Kadingi 156. Donc, quand vous êtes déjà sur Roi Kadingi, vous demandez chez le pasteur Lumingu. C'est presque tout le monde qui vous connaît de ce côté-là. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter par notre téléphone. Donc, en tout cas, nous sommes joignables. Vous pouvez nous avoir sur le plus 243 081 029 95 78. Donc, plus 243 81 029 95 78. Donc, vous nous contactez par là. Vous savez, vous pouvez nous voir, nous avoir, entrer en contact avec nous. Sur les réseaux sociaux, nous sommes là, sur Facebook, vous tapez Philo Lumingu, sur Twitter, sur Instagram, sur toutes les plateformes, vous tapez Philo Lumingu, sur YouTube, vous tapez Philo Lumingu, vous pouvez nous avoir et nous sommes là. Et quelle est votre perspective d'avenir? Ah, notre perspective d'avenir. Nous sommes en train de voir 2030 avec des citoyens au modèle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. En 2030, nous aurons... Ceux qui naissent aujourd'hui auront, je pense, 13 ans. Ceux qui ont 13 ans auront 26 ans. Donc, ça sera... Ceux de 26 ans seront ceux qui viennent de finir l'université, ceux qui viennent d'entrer dans la vie professionnelle. Donc, vous voyez, c'est un nouveau mind, c'est une nouvelle pensée que ces personnes qui ont Jésus vont amener. Et ce sont ces gens-là qui vont gouverner le pays demain. C'est ça que nous visons. Donc, d'après vous, vous voulez que ce pays soit dirigé par les hommes de Dieu? Si on peut appeler ça comme ça, hommes de Dieu, oui. Mais je dirais plutôt par les enfants de Dieu. Par les enfants. Comme la Bible dit, les enfants de la lumière. La Bible dit que les fils de ce siècle sont plus avertis que les enfants de la lumière. Et ça, c'est anormal. Les enfants de la lumière, c'est nous, l'Église. Le monde ne peut pas être plus averti que nous.
C'est nous qui devons donner la direction au monde. C'est nous, l'Église, qui devons dire au monde comment fonctionner, au pays, aux nations, comment fonctionner. Mais d'après les principes, si je peux le dire comme ça, les principes du monde, pour que le monde soit bien dirigé, il faut que ça soit dirigé par le monde occulte. Que diriez-vous de cela? Je dirais que c'est très faux. Je dirais que c'est très faux parce que lorsque nous lisons les Écritures à l'époque de Josué... Puisqu'ils disent que ce sont eux les puissants. C'est parce que je crois, ça c'est moi, hein, c'est moi tout à fait, c'est moi qui crois. C'est parce que d'une part, l'Église a un peu relâché. Mais d'une part aussi, il y a la parole, la prophétie de parlant de la fin du temps qui dit que à la fin du temps, à l'approche du retour de Jésus, le mal va se développer. Ça, c'est très vrai. C'est vrai aussi. Mm-hmm. Mais cela ne veut pas dire que le mal ou les occultistes sont plus puissants que nous, les enfants de Dieu. Non. Je crois qu'on a notre part, on a notre responsabilité. Faisons ce qui est de notre responsabilité. Et vous croyez vraiment que votre vision sera atteinte? Si ça ne sera pas atteint avec moi tant que Jésus n'est pas revenu, ça sera atteint avec ceux que nous allons engendrer. Ça sera... En fait, notre comme vision... Moïse n'a pas pu atteindre la promesse, c'est ça. Ouais, ça sera peu... David a la vision de bâtir le temple, mais c'est Salomon qui bâtit. Donc, je ferai ma part, nous ferons notre part au niveau où Dieu le permettra, mais ensuite, c'est Dieu lui-même qui va se charger de relayer l'information, de relayer les messages. C'est un peu comme le marketing de réseau. Hein? Mm-hmm. Vous voyez, aujourd'hui, on a tous WhatsApp. Mm-hmm. Mais qui a fait la publicité de WhatsApp? Presque par personne. Mais c'est parti de bouche à oreille. Non, il y a un nouveau réseau social que nous utilisons, ouais. Un nouveau truc que nous utilisons. Et ça part comme ça. Et c'est ça que nous avons fait. Nous voulons porter ce message, nous voulons porter cette vision jusqu'au niveau où le Seigneur nous permettra. Nous, à notre niveau, nous allons nous limiter en tant qu'humains, où on va se limiter. Mais Dieu va continuer son œuvre. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, mais juste un mot de la fin pour aujourd'hui. Un mot de la fin pour aujourd'hui, je dirais à toutes les familles, que, un peu comme dans Acte 16, pour la petite histoire, il y a Paul et Silas qui sont en prison, qui se mettent à louer le Seigneur, la prison tremble, les portes s'ouvrent, celui qui gardait la prison, le geôlier, s'écrie, il prend un couteau, il voulait mettre fin à sa vie. Et Paul arrête, il dit non, nous sommes là, ne te tue pas. Mais il regarde Paul, il pose la question à Paul. Il dit, monsieur, j'aime comment il appelle. D'autres versions disent monsieur, d'autres versions disent seigneur, d'autres versions disent maître. Il pose la question, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Le terme sauvé exploité par le monsieur ici ne signifiait pas qu'est-ce que je dois faire pour avoir le salut de Christ. Non. Il parlait de sauver sa vie. Pourquoi? Parce que à l'époque de Paul, celui qui était à la base de l'évasion des prisonniers devrait subir deux fois la peine que ce prisonnier évadé devrait subir. Donc, c'est-à-dire que si le prisonnier avait fait 2 ans, il devrait avoir 10 ans, pardon, de peine. Comme il s'est évadé, le gardien qui était en train de le surveiller cette nuit-là ou ce jour-là devrait faire x2, donc 20 ans. Mm-hmm. Alors maintenant, ça avait tellement travaillé sa tête, ça c'est moi qui réfléchis comme ça, il pose la question à Paul, que faire pour que je ne subisse pas la peine que vous devrez subir? Alors qu'est-ce que Paul lui dit? Paul lui dit, il pose la question à Paul, une question physique, une question humaine, une question naturelle. Mais Paul lui donne une réponse spirituelle, il lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme pour lui dire, le plus important d'abord n'est pas que nous demandons Nzambe pesa biso libala, Nzambe changer biso, Nzambe pesa famille na biso mbongo. Non, le plus important, croyons au Seigneur Jésus-Christ et nous serons sauvés. Alors qu'est-ce que je peux dire à toutes les familles qui nous suivent? Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Merci prophète, c'est la première fois mais je crois que c'est pas la dernière. Si vous me réinvitez, je crois que ça sera pas du tout la dernière. Ok, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers www.botestv.com. Merci aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent. Là, je vois Pater Béa, je vois Eddie Dissoué Mebangoudi, je vois Kokolumbu
Elliot Lumbu, là où il est. Je vois Florence Bandou et toutes les personnes que j'ai pas citées, mais vous êtes ici dans le cœur. Je vois également notre technique, toute l'équipe technique de Beautés TV, Roméo Bis, Chiso Tamboué, également Denis Bouéné, à la coordination de Noël Tantou et notre big manager, Adopanzu Fumakongo, Mwana Fumukimbangu.